Yo les gars, c'est Turkay, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve pour une vidéo informative sur FIFA 15. Donc ce serait les news pré-E3. Alors l'E3, pour ceux qui savent pas, c'est un grand salon à Los Angeles. Notamment, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont été invités. Moi je n'y suis pas invité, mais je suis ça avec beaucoup d'attention. Donc je vais vous présenter les quelques news qui ont fuité avant justement l'E3 où va être annoncé FIFA 15. Donc on est parti tout de suite. Première info de taille, la date de sortie du jeu, chose très importante. Le jeu sortirait normalement en même temps que Pro Evolution Soccer le 25-27 septembre environ. Donc c'est le jour où normalement on devrait voir à héberger le nouveau FIFA 15. Donc préparez-vous, c'est fin septembre. Et donc mauvaise nouvelle pour la licence de EA Sports qui pourrait perdre la Bundesliga au profit de Pro Evolution Soccer, la licence de Konami. En effet, la Bundesliga était en contrat avec EA Sports jusqu'en 2015. Son contrat étant venu à échéance en 2015, Konami, la licence coréenne, se serait jetée dessus pour pouvoir profiter justement de cette ligue très importante, notamment avec des joueurs comme Ribéry, Royce, Lewandowski, Robben. Ce serait vraiment un coup énorme de la part de Konami, mais aussi un coup dur pour EA Sports qui perdrait justement les droits de cette magnifique ligue. Et cela pourrait être un élément déterminant pour l'achat ou non de ce FIFA 15, car on sait qu'un jeu sans la Bundesliga serait vraiment un jeu de piètre qualité. Donc poursuivons avec une bonne nouvelle cette fois, l'arrivée des joueurs légendes, de nouveaux joueurs légendes, de beaucoup plus de joueurs légendes, car on sait que cette année sur FIFA Ultimate Team il y avait relativement entre guillemets peu de joueurs légendes. Enfin on avait quelques bons joueurs légendes, mais on n'avait pas vraiment les joueurs légendes qu'on attendait. On n'avait pas les Zidane, les Beckham, etc. Mais cette année FIFA 15 nous réserve de nouvelles légendes, dont notamment Zinedine Zidane et David Beckham. Alors comment savoir ça? Tout simplement, une vidéo a été postée de la part de Adidas, je crois, en partenariat avec EA. Et donc, on pouvait voir une image d'un jeu bon, qui ressemble grosso modo à FIFA. Même c'est FIFA, clairement les gars, on se le dit. Et on voyait Zinedine Zidane et Gareth Bale. Mais pendant un flash de quelques secondes, et beaucoup de gens pensent, dont moi, que c'est justement un petit, pas caméo, mais un petit message glissé par EA dans cette vidéo pour nous dire qu'il y aura justement de nouvelles légendes sur FIFA 15, notamment Zidane et David Beckham. Vraiment super intéressant pour les joueurs, vraiment une très très bonne nouvelle, car on sait que ce seront des très très bons joueurs. Moi je suis vraiment super impatient, c'est une info qui donne envie de tester ce FIFA 15. De plus, on aura le droit pour ce FIFA 15 à un meilleur réalisme, à de plus beaux graphismes, en tout cas on l'espère, car ils ont annoncé le nouveau moteur graphique, le moteur graphique Init. Donc pour ceux qui s'y connaissent, vous savez que c'est un très bon moteur graphique. Pour ceux qui ne connaissent pas, le lien est dans la description pour vous informer un peu plus sur ce moteur graphique. En tout cas, ils ont vraiment mis les moyens pour ce FIFA 15. Ce sera vraiment très joli, plus de 12 caméras pour filmer un seul joueur qui filme à plus de 360 degrés, vraiment de très très nombreux détails. Vous avez une image qui s'affiche à l'écran, regardez le réalisme entre les deux Messi, le Messi de droite et le Messi de gauche, on ne pourrait pas deviner lequel est le vrai. En tout cas, j'espère que ces images ne sont pas du fake, car vraiment, ce jeu s'annonce magnifique. De plus, sur PC, enfin l'apparition du mode Next Gen. Alors qu'est-ce que c'est que le mode Next Gen? Simplement, vous savez que le jeu sur 360 et sur One, ou sur PS3 et sur PS4, n'était pas de la même qualité. Sur PC, ils avaient laissé les graphismes de PS3 et de Xbox 360, mais maintenant, les graphismes seront alignés avec le moteur Init. Si vous voulez savoir si votre PC pourra faire tourner FIFA 15, le lien est dans la description pour la config minimale. En effet, nouvelle pas très sûre, mais nouvelle quand même. EA aurait décidé de changer les commentateurs. Alors adieu Franck Sauzet, adieu Hervé Matou. Bonjour à de nouveaux commentateurs que nous ne connaissons pas encore, qui n'ont pas encore été annoncés par EA. Mais EA aurait répondu qu'il y aurait peut-être de nouveaux commentateurs par le biais du mot surprise, accompagné de trois petits points. Alors ils ont justement pris la peine de répondre. Alors certes, c'est une hypothèse, on va dire, une interprétation. Mais pourquoi prendre la peine de répondre alors qu'ils ne répondent jamais aux questions sur FIFA 15 par les... Le mot surprise orné de trois petits points, je ne sais pas. Mais moi en tout cas, je pense que ça annonce quelque chose de très intéressant. Et vraiment, je pense que les commentateurs vont changer. Ça donnerait une nouvelle dynamique au jeu. C'est vraiment très intéressant et ce sera un très gros coup marketing de la part de EA. Pour finir, sachez que le mode spectateur arrive enfin sur FIFA, ainsi que le mode tournoi. De nouveaux modes qui arrivent, qui font plaisir à la communauté, car c'était des modes demandés. FIFA nous montre qu'ils sont pour une fois à l'écoute de la communauté. Je dis bien pour une fois. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir le trailer, le pré-trailer entre guillemets, qui est sorti le 5 juin, qui sera dans la description. En tout cas, le vrai trailer sortira le 9 juin, le jour de la conférence de l'E3
de EA qui sera à 21h, lundi 21h. Vous pouvez retrouver ça en live sur le site Gamekult ou sur n'importe quel site que vous trouverez sur internet. En tout cas, vous aurez le vrai trailer qui sera disponible le 9 juin. En tout cas, c'était Jorka. J'espère que cette vidéo informative sur FIFA 15 des news pré-E3 vous a plu. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur Twitter pour plus de news sur FIFA 15. En tout cas, une nouvelle vidéo news arrivera après la conférence de l'E3 pour plus d'informations sur le prochain FIFA 15. C'était Jorkaf, bye tout le monde!